Bonjour, nous allons regarder un peu l'application Sigil, qui est un éditeur de livres au format EPUB. D'abord, ici, j'ai ouvert un livre au format EPUB. Vous avez trois sections. Première, on a la structure ici du livre. Donc, on a les images, les polices, etc. Donc, le format EPUB, vous allez voir ici à gauche qu'est-ce qu'il contient. Ensuite, la partie d'édition. Donc ici, on peut changer, donc comme un traitement de texte, tout simplement. On peut travailler également à scinder. Donc ici, avec les différents outils, je peux dire OK. Donc au lieu d'avoir seulement une page pour l'entièreté du livre, je peux me faire différentes sections. Et à droite, j'ai la table des matières qu'on peut recréer. Donc dans les outils, on peut aller éditer la table des matières ou la générer à partir des formats titres. Donc, si je donne ici, par exemple, le titre H2, je pourrais à ce moment-là me faire une table des matières qui sera exploitable sur mon ordinateur mobile. Donc, le format EPUB contient différentes sections. Je vais pouvoir l'éditer au format WYSIWYG, donc directement à l'écran. On peut également faire apparaître le code pour ceux qui veulent voir un peu le code HTML. Donc oui, le format EPUB, ce sont des pages HTML qui sont derrière ça. Et donc avec les différents outils, je pourrais manipuler le livre pour pouvoir l'exporter par la suite.